Eh bien, quelle belle première partie d'émission. Moi, je vais nommer François Leblanc, parce que déjà venu ici à l'émission. Oui, en 2020. Ouais. Oui. Et puis, ben, je vais te laisser le soin de nommer les autres musiciens qui sont avec toi. Oui, de notre groupe qui s'appelle Alfred, une table pour deux, s'il vous plaît. On a ici à côté de moi le Oui. contrebassiste, M. Ronald Pichette. Oui. J'ai ici à côté aussi notre guitariste, qui est aussi celui qui écrit beaucoup les arrangements. C'est lui qui s'occupe du côté technique, M. Yvon Marchand, la guitare. Notre chanteuse Doris Beaulieu, qui est l'épouse de Ronald. Eh oui. On est chanceux, il se fait chanter des belles chansons tous les jours. Écoute, c'est ma meilleure Et chanteuse. notre batteur, Normand Houle, que tout le monde connaît, Normand, parce qu'il joue beaucoup avec d'autres groupes aussi. Il est bien connu dans la région. Est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe de musique de jazz surtout? Mais je dirais jazz français, parce qu'il y a des tunes en Oui. anglais, mais on en a Oui. aussi en La français. première tune, la première que vous avez jouée, Oui. était une belle tune en français, Bambino. justement. Bambino. Bambino, avec une interprétation qui était tellement différente de ce qu'on entend, mais c'est tellement, je peux dire, c'était tellement beau, là. Ça m'a pris, là, dans la première chanson, là. Ça nous fait des beaux souvenirs, ces Oui. pièces-là. Il y a une chose, par exemple, Alfred, une table pour deux, s'il vous plaît. Le nom du groupe, c'est venu comment? C'est à cause de lui. C'est une inspiration divine, je pense. On avait un concert à faire pour la Fondation, je pense que c'était en 2003. Ouais. Puis on n'avait pas de nom. On faisait un peu de jazz, mais on n'avait pas de nom. Fait que, à un moment donné, ils nous ont demandé pour aller jouer, puis ils ont dit comment vous appelez, puis ça a sorti tout seul. Alfred, d'une table pour deux, s'il vous plaît. Les gens sont restés surpris quand j'ai dit ça. Ben, Je en tout cas, comprends c'est original. Oui. On est pas mal original là-dessus. Ouais. Là. Ça finit par Alfred de Caux, mais c'est Alfred d'une table pour deux, s'il vous plaît. Ouais. Bon, on peut dire que vous n'avez pas d'Alfred dans le groupe. On peut dire Non. c'est le waiter. C'est le C'est le waiter, Exactement. exactement lui. Exactement. Exactement. Naturellement, vous faites partie d'un groupe comme ça. Ça demande beaucoup dans un groupe, hein, parce que faut que ça donne toujours à tout le monde, les Ah. pratiques, les engagements aussi. Ouais, c'est pas facile. Même les pratiques, là, on a eu de la difficulté. Ouais, ben, à un moment donné, je suis parti au Mexique pour 6 semaines, puis l'autre était parti à une autre place. Fait que, avant d'être capable de tout rejoindre le monde puis dire on pratique, là, ben, c'est plus compliqué. Ouais. En principe, on devrait pratiquer une fois par semaine. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on s'édule, mais c'est pas toujours ça. Puis C'est pas il y toujours a ça. le golf, il y a plein Ah, d'activités. c'est ça. Moi, je travaille de nuit des fois aussi. C'est pas Okay. évident non plus, Ouais. là. Puis quand vous avez des spectacles, c'est pas évident non plus parce qu'il y a tellement d'équipements à installer avant et puis surtout à ramasser aussi après. Oui, aussi. Mais ça fait tellement du bien d'entendre quand même de la musique live là avec batterie. Contrebasse, c'est un instrument qui est tellement, on voit tellement rarement. L'accordéon, L'accordéon. à la guitare, des belles accords. Moi, j'adore ça parce que des fois, on entend beaucoup de guitare, on en voit beaucoup, mais les belles accords hein, que tu fais Des là, accords plus jazz, là. de jazz, tout ça, c'est merveilleux. La batterie, les balais, tout ça, ces techniques-là, puis la voix aussi, les belles chansons, là, bien Ben, je peux vous développées. dire que depuis qu'on fait cette émission-là, ça fait déjà plusieurs années, et puis des groupes comme le vôtre, on n'a pas entendu souvent. C'est vrai que c'est un peu plus d'ouvrage aussi pour nous autres Ouais. à enregistrer parce que le studio n'est pas tellement grand, puis ça crée des problèmes un peu, mais quand même, on n'entend pas ça souvent. Ouais. Surtout aujourd'hui, plus le groupe est gros, plus ça coûte cher aussi si on veut avoir des engagements. C'est pour ça qu'on voit pas beaucoup ça des gros groupes. Hein. Exact. Ça doit être plus difficile pour les engagements.
Ouais, mais ça, c'est rendu comme un hobby pour nous. Là. Ouais. Pardon. On pratique, puis. On fait pas ça pour l'argent. On fait ça vraiment pour s'amuser. Oui. La plupart sont à la retraite dans le groupe. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'amuse, puis on essaie de trouver des tunes. On a un créneau qui est pas très, très répandu, là, le créneau jazz. Là. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui jouent ce genre de musique-là. Fait que, le monde finit toujours par aimer ça. Quand on arrive quelque part pour jouer, on se demande tout le temps, est-ce qu'ils vont aimer ça? Puis finalement, ça passe. Les gens aiment ça. Moi, je peux dire que ça rappelle des souvenirs parce que si on le montre, il y a longtemps, c'était souvent des grosses orchestres, beaucoup de musiciens, beaucoup des gros groupes qu'on ne voit plus aujourd'hui avec... Ben, les claviers qui peuvent remplacer presque un orchestre. Oui, c'est ça. De la musique en canne. Oui. Les ordinateurs avec les chanteuses, une chanteuse avec un ordinateur, tout le monde dans un restaurant. C'est sûr que pour le budget, c'est correct, mais c'est pas il nous manque les couleurs. Ouais. On rêve d'un jour de voir un clarinettiste, une joueuse de saxophone, un violon. Quelque chose qui sort de la boîte à magique, là. Puis même, un ordinateur peut chanter avec le téléphone à ce temps. Puis même là, un jour, ça va être le téléphone qui va chanter tout seul. Ouais, ça, c'est ça. tu vas choisir ta voix. Exact. Mais là, on n'est pas là. Nous, on veut pas ça. On veut s'amuser, ouais. Faire des chansons. Puis ben, lire les notes aussi, c'est le fun, ça, lire les notes. C'est vrai que la plupart des musiciens aussi, ils font ça. Parce qu'ils aiment ça. Ah oui. C'est par amour. Oui. Absolument. L'amour de la musique. Exact. Mais c'est d'accorder tout ça, là, ça prend un bon accordéon. Ah oui. L'accordéon, c'est si beau l'accordéon, puis il y a de l'harmonie. Et sur ce merveilleux couple-là, Ronald et Doris, ils adorent la musique. Hein. Dans la cuisine, il y a un drum. Que Normand joue dessus. Il y a un piano à queue. C'est beau. On voit que c'est des maniaques de absolument. Musique. Absolument. Il y a un instrument aussi qu'on ne voit pas souvent. Celui que... La contrebasse. Oui. Là, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais jouer de la bombarde. c'est plus petit à transporter. Il est obligé de changer son camion pour la transporter. Ouais. Ben, c'est ça, plus j'achète un gros camion pour la transporter, ben, en tout cas. Mais non, c'est très agréable de jouer de la contrebasse. J'aime bien ça. Mais on ne voit pas ça souvent dans les orchestres. Non, effectivement. Mais les nouvelles orchestres, ceux qui font des enregistrements et tout ça, il y a beaucoup de contrebasse maintenant dans les groupes. Là. C'est plus populaire que c'était. Là. La base comme telle, ça a diminué. Il y a beaucoup de contrebasse. Ben, et ensuite, il y a une chose que vous êtes chanceux parce que c'est votre femme, la chanteuse. Oui. Parce que c'est pas n'importe quel artiste qui peut avoir la voix qui va dans le jazz comme ça et puis qui est plaisant à écouter. C'est ça. Ah, oui. Mm-hmm. Ça, c'est. On est très chanceux. Ouais. On a une bonne chanteuse. Ouais. Ah, oui. Oui. Elle a de la voix. Alors. C'est un lieu. En tout cas, moi, je trouve chanceux d'abord d'aimer la musique comme ça pour la faire aimer aux autres aussi. Ouais. Parce que l'amour que vous avez pour la musique, là, vous la transmettez certainement aux autres aussi. C'est sûr. Et nous, je suis sûr que dans nos téléspectateurs, il y en a beaucoup qui vont aimer ça aussi. Ah, oh, je souhaite. Oui, j'espère, oui. Parce que ça va rappeler des bons souvenirs. Ben oui. Non, oui, on a eu. Le plaisir de vous entendre là, pendant une partie de l'émission, là. Puis il y a eu de très bons morceaux, mais surtout le premier important, là, Bambino, là, ça m'a capté tout de suite. Là. Mais je suis sûr que dans la deuxième partie qu'on va écouter, là, il y a encore de très bons morceaux. Tout à fait. Puis, merci. C'est varié aussi parce que quand on met les morceaux que français comme ça, que les gens peuvent fredonner souvent plus facilement que un morceau. Hein. Ça va chercher les gens. Puis, Les belles années. Oui, oui. Ah oui. Ben, moi, je vous félicite. Puis, moi, je suis sûr que chacun de vous, vous savez, on a déjà eu M. Leblanc ici séparément. Puis, mais je suis sûr que chacun de vous autres, vous devez avoir peut-être d'autres groupes ou d'autres insolistes ou
jouer un solo. Ouais. Pas moi, mais Yvan et ouais. Normand, ils ont deux, trois groupes. Là. Ouais. C'est moi, je joue avec Normand dans un autre groupe. Oui. Bon, il va falloir le connaître. Tu nous fasses connaître. Oui. On est huit. Ah. C'est du monde. C'est bon. C'est bon. C'est qu'on... Naturellement, ça prend beaucoup de place, vos instruments, tout ça. Fait qu'on va se mettre en place pour la deuxième partie de l'émission. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je suis sûr qu'on va aimer ça autant que la première. C'est super. On s'amuse. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Could it be a tears I cry?
on high, always here when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves bill and coo when they're love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Because we're in love. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, ce cher visage de mon passé. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le.
village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage ce cher visage de mon passé. It's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, near the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound, to the breeze that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night seems to whisper and hush, and all the soulful light seems to shine in your blush. Can I just have one moment dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. Come. And I know now the time is just right, and straight into my arms we will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. And there and then all my dreams will come true, dear. There and then all will come be true. And every time I touch you, you just tremble inside. And I know how romance, near the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound, to the breeze that blow. And I'm trying to please to the calling of you heartstrings that plays that would blow. You know the night's magic seems to whisper and hush, and all the sun
Ce souvenir, je te le rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de charger trop. Ce souvenir, je te le prends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, se sortirait de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir derrière puisque j'en viens. Allez si bien ensemble. Je te dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu me fais, fait du bien. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's cheek to cheek. When we all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm around you. The charm about you will carry through heaven, heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together dancing cheek to cheek.
your coat and stretch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that theater bat? And the happy tune is your step. Life can feel so sweet on the sunny side of the street. I used to walk